J'arrive pas à y croire à ce que je vais faire. Je sais pas si je vais arriver, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas si je vais m'en sortir, je sais vraiment pas. J'en ai marre d'estomper! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sweat by Sonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais encore une fois tester une astuce TikTok complètement folle pour faire mon teint. Alors je suis une addicte de TikTok, notamment des vidéos astuces make-up. J'aime bien les transformations, l'avant, l'après, et surtout j'aime énormément les vidéos what the fuck assez farfelues avec des méthodes vraiment atypiques. Du coup aujourd'hui je vais tester une autre astuce make-up TikTok et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas, si c'est un top ou un flop. Je vais vous donner mon avis en faisant ce crash test. Du coup, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement et c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram, mais aussi sur mon compte TikTok. Je vous avais déjà fait, lors d'une précédente vidéo, une astuce TikTok complètement folle, complètement farfelue. C'était une astuce pour faire son teint, spécialement le contouring. C'était une astuce avec une technique assez bizarre. Si vous avez envie de la regarder pour savoir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas, je vous mets la vidéo dans le petit i afin que vous puissiez y accéder. Je vais enfiler mon petit bandeau. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer l'astuce que je vais faire, que je vais tester aujourd'hui. Alors, ça rigole pas. D'emblée, je vais mettre du rouge à lèvres sur mon visage. Ensuite, je vais appliquer du fond de teint. Faudra bien estomper. Faudra appliquer un autre fond de teint, estomper, faire son contouring. Et voilà. Est-ce que je vais réussir à avoir exactement le même teint? Je ne sais pas. C'est assez farfelu de voir une personne appliquer du rouge à lèvres sur son visage comme ça. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à appliquer le rouge à lèvres et ensuite, je vais suivre pas à pas le tuto. J'ai le choix entre deux rouges à lèvres de couleur rouge. Alors, voici le premier de chez Chanel. Et sincèrement, j'ai pas envie de le sacrifier. J'aime trop la couleur. Elle est vraiment magnifique. Et le rouge à lèvres, il est trop beau, il est sublime et il sent vraiment trop bon. J'aime trop son odeur. Et voici le rouge à lèvres de couleur rouge que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors c'est le rouge à lèvres Bisou de la marque Mathilde Bacanas. Donc c'est celui-là que je vais utiliser, que je vais sacrifier dans cette vidéo. Donc le rouge me paraît plutôt pas mal pour cette vidéo. Du coup, bah c'est parti, je vais commencer à appliquer du rouge sur tout mon visage. Je n'arrive pas à y croire à ce que je suis en train de faire, donc c'est parti. Je mets du rouge sur tout mon visage. Et voici le résultat du rouge à lèvres rouge que j'ai appliqué sur tout mon visage. Alors sincèrement, je ressemble à rien avec et ça me démange en fait. J'ai envie de gratter sur tout mon nez. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet et il y a des crèmes de correction qui permettent en fait d'atténuer certaines imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Donc il y a des crèmes de couleur rouge, verte, orange, mauve, etc. Et là en fait, la couleur rouge permet d'atténuer les vaisseaux et aussi certaines rougeurs qu'on peut avoir sur le visage. Ce que je ne comprends pas dans ce tuto, c'est pourquoi elle applique du rouge partout, parce que on n'a pas forcément des rougeurs sur tout le visage. Donc là, je vais continuer avec la deuxième étape de ce tuto qui est d'appliquer le fond de teint. Donc j'ai pris un fond de teint assez couvrant parce que il faut vraiment recouvrir le rouge, tout à fait. Pour le fond de teint, elle applique sur le visage comme ça. Alors, je sais pas si je vais réussir. Alors moi, mon fond de teint, il est au bout de sa life. Il est vraiment... Attendez. Il est au bout de sa life, ce fond de teint. Il faut que j'achète un nouveau fond de teint, là, parce que ça ne va plus.
elle applique. Ah oui, elle prend un beauty blender. Donc moi je vais le récupérer comme ça. En fait, je vais essayer d'appliquer sur mon visage. Oh là, ça va tomber sur... Oh, c'est tombé sur mon jean. Franchement, elle, elle a une pipette. Moi, j'ai pas du tout de pipette. Donc voilà, j'applique mon fond de teint comme ça. Je tapote en espérant avoir assez de fond de teint pour cette vidéo. Il faut que je me rachète du fond de teint. Mon fond de teint MAC a rendu l'âme. Je vais prendre un autre... Je crois qu'avec ces vidéos TikTok, je suis en train de terminer tous mes fonds de teint. J'ai récupéré le Born to Glow de la marque NYX. Et je vais en mettre comme ça sur tout mon visage. Comme elle l'a fait. Je sais vraiment pas si je vais avoir assez de fond de teint pour cette vidéo. Donc là, je suis en train d'estomper. Alors en fait, comme dans l'autre vidéo que je vous avais déjà montré, dans ce type de tuto, plutôt dans ce type de technique, il faut vraiment estomper et on peut rester longtemps. Un TikTok, ça dure maximum une minute. Donc je vais rester toute ma vie. Toute ma vie, je vais rester dessus. Donc là, j'ai pas l'impression que ça recouvre tout. Enfin, c'est pas assez couvrant, on voit qu'il y a du rouge sous le fond de teint. On dirait pas que j'ai saigné du nez là. C'est toujours la même galère, il faut estomper. J'ai pas l'impression que ça s'estompe bien. Ça donne plutôt un aspect un peu caca, j'ai envie de vous dire. C'est pas très net. Alors là, je rajoute au fur et à mesure du fond de teint afin que ça puisse être atténué, atténuer la couleur rouge. Mais j'ai pas l'impression que ça marche bien. Je vais rajouter du fond de teint sur mon front, comme ça. En plus, à la deuxième étape, elle rajoute encore du fond de teint, il me semble. Je sais pas si je vais arriver, c'est vraiment une catastrophe. C'est quoi ce tuto, franchement? Attendez, je vais enlever ça. Donc là, plus ça va et plus je me dis que c'est un fell. Alors, je suis complètement rose. Complètement rose. Je ressemble à du jambon. Je crois pas que ça va marcher, je crois pas. Je ne crois pas que ça va marcher, je ne pense pas. Allez, soyons fous, je rajoute encore du fond de teint. Franchement, je ne sais même plus où estomper tellement qu'il y a de la matière. J'en ai marre d'estomper. A few moments later. Là, je remarque que le rose s'est fortement atténué, mais j'ai une tonne de fond de teint sur le visage. C'est trop. C'est trop. Et même au niveau du contour du visage, il y a une démarcation. Ça fait pas du tout naturel. Vraiment pas. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je ne sais vraiment pas. Encore le premier tuto que j'avais déjà testé, je l'ai validé. Même s'il était un peu compliqué, je trouve, parce que faire autant de techniques pour avoir un résultat... Bon, il n'est pas de ouf, hein, c'est un résultat complètement normal, hein, il ne m'a pas transcendé. On peut faire chaque étape l'une après l'autre, on n'est pas obligé de tout mettre d'un coup. Mais là, avec le rouge à lèvres rouge, je suis au bout de ma vie, là. Et je suis en train de réfléchir, je me demande en fait combien de temps la TikTokeuse prend pour faire ses TikTok make-up. Ça prend ça au moins 4 heures. Bon, là, ça commence. Non, ça commence pas. Après avoir estompé un peu plus d'un quart d'heure, je vais passer à l'étape suivante qui est le contouring. Dans la vidéo TikTok, on ne voit pas du tout le début. On voit uniquement la fin quand elle termine son contouring. Du coup, j'ai récupéré ma petite boîte de Too Faced, la Cocoa Contour. Et je vais appliquer mon contouring comme j'ai l'habitude de le faire. Je commence à appliquer ici la couleur la plus claire.
Après avoir appliqué la couleur la plus claire, je récupère ici les deux couleurs les plus foncées pour sculpter mon visage. Ensuite, je récupère cette couleur-là pour le mettre en mode bronzer. Alors, je vais juste ressusciter mes sourcils parce que là, les pauvres miskines, hein, on les voit plus. Pour le délire, je vais rajouter du rouge à lèvres rouge. Donc, je récupère mon rouge à lèvres de chez Chanel. Et voici le résultat final. Et sincèrement, je suis déçue. C'est un flop. Ça fonctionne pas. Du coup, j'ai un teint très crade en fait. C'est très cracra. On voit partout qu'il y a du fond de teint. C'est pas du tout net. Ça fait des paquets. Et j'ai l'impression que là, je vire un petit peu au orange. Donc, si vous voyez en fait, si vous voyez au niveau de mon cou, il y a une grosse différence. C'est pas une couleur assez naturelle. Donc, je ne valide pas du tout cette astuce. Pour moi, c'est un flop. Ça ne marche pas. Donc, oula. Donc, voilà, je suis vraiment déçue par le résultat parce que le premier TikTok astuce beauté, j'avais réussi. J'étais plutôt contente et satisfaite. Mais là, franchement, non, j'aime pas le résultat. En plus, j'ai passé beaucoup de temps à estomper. J'ai utilisé beaucoup de matière. J'ai liquidé deux fonds de teint. Bon, ils étaient à la fin de la fin, mais bon, je les ai quand même finis. Et du coup, j'aime pas du tout le rendu. J'aime pas le résultat. Donc, à la caméra, ça fait un petit peu plus net qu'en vrai. En vrai, on voit bien tous les défauts, les paquets. En plus, je vois que ça s'est rentré dans les plis en fait. Je vois que la matière est rentrée dans les plis. C'est dommage parce que je voulais vraiment y croire à cette astuce qui est complètement insolite. Et pour ma part, ça n'a pas fonctionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils, si pour vous ça a déjà marché, si vous avez déjà testé cette astuce. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager comme d'habitude. Moi c'est Souad, bye Sonia, j'ai testé une astuce TikTok qui n'a pas fonctionné, c'est vraiment dommage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !